Il en faut peu pour être heureux, il en faut peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Tu l'aimes. Bonjour, je vous mette 15,98€. Ah putain, je suis à ras-bord là. Ta ta ta. Bon bah, je retourne la voir. Bah rebonjour, excusez-moi. En fait, je suis arrivée à ras-bord de mon réservoir et je pensais que je pouvais mettre plus. Merci. Bonne journée, au revoir. Gros vent. J'adore me prendre des vents quand je dis bonjour à des motards. Putain. J'ai mon casque. What the fuck? Fais quoi Michel toi? Tu démarres avant le feu vert toi. Ah putain, quand tu vas accrocher ton casque en vitesse avec des gants en plus. Comme par hasard t'y arrives pas, tu te prends les cheveux dedans. Allez, la double boucle là. Putain avec les gants. Au secours. Ça va passer vert, je l'aurais pas taché. Ah je me prends les cheveux. Allez, 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 on va y arriver, mission, allez, allez, on y est. Oui, mission, voilà, sur le feu vert, voilà, mission, j'ai réussi, ma mission. J'ai attaché mon casque. Génial, il y a la police, quoi de mieux, quand tu fais un bruit comme moi. En plus, on va dans la même direction. Oh la vache, la vache, je vais tout droit pour finir. Ah bah, et toi, s'il y a les flics, vous êtes bons s'il y a les flics. Je suis sur YouTube, ouais. C'est quoi ta chaîne? Missabi. Ça me dit rien. Ouais, t'as peut-être dû tomber sur une vidéo. De quoi? J'irai voir. Ok, ouais. Ouais, ça tombe, c'est un gars, il est tombé au hasard sur une de mes vidéos. C'est pas abonné, tu vois, il a pas fait plus gaffe que ça. Et... mais ça l'a marqué quand même. J'ai pas vu le feu. Putain devant les flics en plus. Waouh. J'étais en train de penser à un truc, tu vois, j'étais en train de penser à autre chose. Toi tu traverses quand c'est vert pour nous en fait. Voilà. Putain, le mec il me coupe la route au calme. Non mais oh. Attends. Je crois que j'ai encore de la monnaie. Attends, je trouve ma monnaie. De rien. Et il restait la monnaie de mon plein de tout à l'heure. Tu te dis bon autant faire plaisir. Ah de la merde le feu rouge là. Nanana. Ah non, double feu rouge, putain. Mais là, j'ai donné parce que je pense que eux, ils en ont vraiment besoin. Ce sont des réfugiés politiques, comme on appelle. Ils fuient la guerre, ils fuient la pauvreté, ils fuient vraiment des choses horribles. Je pense que ces personnes-là, ouais, ils en ont vraiment besoin. Et puis le petit gamin, voilà, j'espère qu'il pourra le petit s'acheter un petit sandwich, un petit quelque chose, tu vois. En plus, j'ai essayé de trouver toutes les pièces au fond de ma sacoche, j'ai pas réussi à tout lui donner. Grand vent! Putain, je pourrais les collectionner, les vents. Ouh.
Oh la vache, la vache là. Oh, les gravillons comme ça, là, là, les gravillons là, c'est waouh waouh waouh, wow. Là, il y a du frein là-dessus. Et waouh, là, toutes les motos qui doivent passer là, ils ont dû avoir des coups de flip comme moi, tu sais. En plein dans le virage, virage gravier, j'ai mis un coup de frein arrière juste à l'entrée du virage. Ah là là, la roue arrière, elle a pas aimé, tu sais. Putain, le bâtard. Ah, le bâtard. Mon embrayage, il s'est desserré. D'un coup, putain, il n'y avait plus de vitesse. Heureusement que j'ai le RX Pico. Putain, tu me sauves la vie, toi. Oh, sinon, j'aurais été dans la merde. Oh, merci, Facom, de m'avoir envoyé ça. C'est un truc de fou. Putain, mais pourquoi il s'est desserré ce connard en fait là? J'ai l'air comme une gueudin. Enfin, comme là je vous kiffe, je vous surkiffe là, je vous resurkiffe. Parce que m'avoir envoyé ça, je mets ça dans mon sac, vous voyez, c'est un problème, mais. D'un coup, tu peux plus passer les vitesses, tu vois que ton sélecteur ne répond plus. Ah, les vitesses passent. Ah, merci mon Dieu. Putain, tout à l'heure quand même. Heureusement, j'ai pas perdu mon sélecteur, t'imagines? Bon, j'aurais été le rechercher, mais j'aurais eu un peu l'air conne quand même. Hein. Bon, il aurait fallu t'en rendre compte parce que là, tu vois, à la limite, là, ton sélecteur, il tombe. Peut-être tu t'en rends pas compte. Et puis au moment de passer de la vitesse, il n'y a plus de sélecteur. T'imagines l'angoisse? Oh putain, la vache. On arrête d'accélérer. Bizarrement, tu sais, à côté. Pourquoi ils ont freiné, tu vois? Je les ai vus freiner, tiens. Ah non, mais je sais que le jour où je me ferai contrôler et que ça en les chicane, j'espère tomber sur des cools qui comprendront. Moi, je vais leur dire, bah non, les chicanes, je les mets pas parce que je veux me faire entendre. C'est tout. Bon, c'est vrai qu'on va pas se mentir, parce que j'aime bien le bruit des pots sur les chicanes, tu vois, c'est normal, on est tous pareils. Mais c'est surtout aussi parce que les motos, il faut que les voitures nous entendent. Déjà, quand ils nous entendent, ils nous respectent même pas sur la route. Alors s'ils nous entendent pas, c'est la mort pour nous. Donc moi, je le dirais. Je dirais en tant qu'handicapé à vie, tu vois, à l'épaule, je sais ce que c'est quand t'as un accident. Bon, même si c'était pas un accident de la route, mais... Je sais ce que c'est. Putain, mais pourquoi ils laissent des graviers partout? Donc je sais ce que c'est quand t'as un accident et que ça peut te laisser des séquelles à la vie, plus ou moins grave. Donc le jour où ça tamponnera une voiture, tu vois, c'est la plupart du temps, ça pardonne pas. Donc non, moi je préfère faire du bruit, qu'on m'entende. Et le jour où je me ferai contrôler, je le dirai. Je dirai, écoutez, moi j'ai déjà eu un accident, je veux me faire entendre. Après, soit tu tombes sur des flics compréhensifs et qui disent « Bah oui, c'est normal, t'as pas forcément envie qu'une voiture te rentre dedans. » Ou alors tu tomberas sur des cons et qui te diront « Non, la loi, c'est la loi, il faut mettre les chicanes, point, et tu payes une amende. Et on en a rien à foutre de ta sécurité. » Ah putain, mon cul, il souffre. Comme je le dis, vraiment, le SM, tu vois, c'est... Il faut que ça soit une passion, parce que pour aimer rouler longtemps, comme moi je fais des longs trajets, tout ça, en SM, bah, c'est SM, je sais pas, tu vois, l'abréviation de supermoto, c'est sadomaso, tu vois, il faut vraiment aimer souffrir, parce que t'as mal au dos, t'as mal au cul, mais à point, j'ai mal au cul, là. Parce que là, je suis à quoi, à 3h30 de route, 3h30 sur ma moto, tu vois, et pour rouler beaucoup longtemps sans faire de pause entre
entre deux avec un SM, il faut vraiment être sadomaso.